Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Mulan 2 collection de deux films en édition combo Blu-ray DVD de Barry Cook et Tony Bancroft pour le premier film et Darrell Rooney et Lynn Sutherland pour le second film. C'est un coffret distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 12 mars 2013. Pour le premier film, Mulan est une belle fille, une jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son amour et son respect pour sa famille, son mépris des conventions l'éloigne des rôles dévolus aux filles dévouées. Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n'écoutant que son courage, s'engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l'aide d'un dragon en quête de réhabilitation, un guerrier hors du commun. Ce long métrage est un des très bons classiques d'animation de Disney, avec des sujets actuels et qui permet d'ouvrir des débats tels que le rôle des hommes et des femmes dans la société, des caractéristiques de chacun d'eux, du courage, de l'honneur et bien sûr de l'amour. Mulan, elle est une femme défiant l'autorité, courageuse, intelligente, croyant aux justes causes tout en étant maladroite. Je trouve c'est qu'est-ce qui fait qu'on croit en elle. Pour l'accompagner, en offrant une touche d'humour, on a Mushu qui est un petit dragon et le criquet, un jeune criquet aussi qui ne donne pas sa place. On retrouve de bonnes chansons. Je peux citer celle qui s'intitule Comme un homme, où le commandant Shang entraîne les soldats à devenir des guerriers. De plus, on a droit aussi à de magnifiques images qui sont vraiment soignées et détaillées, comme la séquence où les Huns passent à l'attaque dans la montagne enneigée. Pour Mulan 2, l'histoire se passe alors que Mulan et Shang préparent activement leur mariage. L'empereur de Chine les convoque afin de leur confier une mission de la plus haute importance. Les futurs mariés doivent escorter trois princesses venant des provinces lointaines et les conduire jusqu'à leur fiancée qui habite à l'autre bout du pays. Ces mariages sont de la plus haute importance puisqu'ils doivent sceller une alliance entre d'anciens ennemis jurés et ainsi protéger la Chine d'une nouvelle invasion mongole. Comme la majorité des suites de Disney, Mulan 2 n'est pas à la hauteur de l'original. L'histoire est quand même assez ennuyeuse, les personnages secondaires également, et les chansons manquent un peu de rythme. Mulan, tant qu'à elle, est quand même égale à elle-même, têtue et fidèle à ses valeurs et aux causes qu'elle croit justes. Mushu a un rôle différent dans cette suite en étant le trouble-fête et toujours en conflit avec son ami le criquet. Côté dessin, ben, ils ne sont pas aussi beaux que le premier film, mais c'est quand même très acceptable pour un film sorti directement en vidéo. Le premier film s'adresse, je dirais peut-être, à tous et cette suite, davantage aux enfants. Visuellement, cette édition Blu-ray propose une image claire avec de magnifiques couleurs. Ceci, ça, c'est pour le premier film et pour le second, mais c'est peut-être à peine un niveau en dessous, mais c'est quand même excellent, quand même pour un film qui ici a un budget revu à la baisse. Bref, un coffret offrant quand même un très bon transfert. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour les éditions DVD. Toutes les éditions ont des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve pour le premier film un commentaire audio avec le producteur Pam Coates et les réalisateurs Tony Bancroft et Barry Cook. On a des scènes supprimées. On a le classique Backstage Disney qui offre un nombre de featurettes provenant de l'ancienne édition DVD au sujet de Mulan, de l'histoire, du design et de la production. On a Classic Music and More qui offre des featurettes sur les chansons, une présentation aussi en différentes langues et plusieurs vidéoclips. Et on a également des bandes-annonces. Pour le second film, on retrouve Voice of Mulan, qui concerne le retour de certaines voix originales anglaises et la présentation de nouvelles voix pour cette suite. On a des scènes supprimées et le vidéoclip I Wanna Be Like Other Girls
par Atomic Kitten. Donc, le coffret Mulan, Mulan 2 collection de deux films propose un excellent transfert en haute définition. Le premier film propose plusieurs suppléments intéressants, mais le second opus nous laisse sur notre faim côté bonus. Si vous ne possédez pas ces films, un achat de cette édition ne devrait pas vous décevoir. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.